Bonjour tout le monde, donc je vous fais cette vidéo pour Sonia qui m'a envoyé donc alors une ATC, voilà, une Memory Dex et une carte. Alors je remercie beaucoup Sonia. Bonjour Véronique, je suis débutante dans le scrap, je n'ai que mon massicot pour l'instant. D'accord, j'avais pas compris, tu n'as que le massicot pour l'instant. J'ai découvert le scrap grâce à ma belle-fille et j'ai trouvé cela super, je suis tes tutos ainsi que tes conseils que j'adore. Je souffre d'une polynéphrite. Je suis désolée. Des quatre membres depuis l'âge de 25 ans, cet univers que tu me fais découvrir me fait oublier les douleurs au quotidien. D'accord. Dû à ma maladie, ben ça c'est pas grave. Hein. Je veux dire, je m'en excuse. Je suis très peinée pour ta fille en espérant qu'elle va mieux. Je t'envoie plein d'ondes positives. Merci énormément. Ça me fait très très plaisir. Honnêtement, elle va très très bien. Ça me fait tout drôle parce qu'on me demande des nouvelles de ma louloute en fait. Et elle va très très bien, elle se remet vite. Donc c'est le principal. Merci infiniment. Alors ceci est une ATC. Donc sache que pour les ATC, elle est un peu trop grande. Mais c'est pas grave en soi. Bien au contraire, je vais l'accrocher. Ici j'ai plein de créations. Il faut que j'aménage mon bureau. Mais ça je vais l'accrocher du coup. Alors une ATC mesure 2 pouces et demi par 3 pouces et demi. Donc, je vais te donner les mesures exactes. 2 pouces et demi, ça fait 6,3 sur 8,9. Voilà. Donc, ceci, je vais l'accrocher donc sur mon mur de mousse derrière. Voilà. Donc, ici, nous avons une petite rose en résine, ainsi que un cœur. Voilà. Non, c'est pas de la résine, ça doit être du plastique, je pense. Je crois que je les ai vus déjà à Action, mais je ne suis pas sûre. Là, nous avons un magnifique papillon avec une perle et un petit chien. J'adore les chiens. J'ai deux chiens à la maison. J'adore les chiens. Avec de la dentelle vintage. Alors, par contre, cette couleur gris, je ne l'ai jamais eue. Moi, j'adore les rubans. Je suis une fanatique de rubans. Donc, voilà. Ensuite, nous avons donc une Memory Dex. Voilà. Alors, sache que j'ai fait des trous ici, c'est normal, tu t'inquiètes pas, parce que moi j'ai le truc pour faire les trous. C'est tout simplement pour le mettre ici, dans mon Rolodex. Voilà. Donc, hop, donc c'est moi qui ai fait les trous, donc tu ne t'inquiètes pas, c'est fait exprès, c'est pour mettre, tu vois, dans mon truc. Alors ici, nous avons des petites roses. Alors j'aimerais bien savoir si c'est toi qui les as fait, les roses, elles sont vraiment magnifiques. Tu me mettras en commentaire. Elles sont super belles. Ici, nous avons un chipboard avec un die-cut 3D. Et un autre die-cut et des petites perles. Alors, le fond est super beau. Il est très frais. J'aime beaucoup. C'est des fleurs en fond. Enfin, tout est super beau. Mais j'ai une préférence pour ça. J'adore. Magnifique. Ça aussi, j'aime beaucoup. Et les perles aussi, je les ai. Je crois que tu as dû les avoir à Action. J'adore. Les strass, les demi-perles. Donc voilà. Donc ça, tout de suite, dans mon Rolodex. Alors sache que je vais te répondre. Il n'y a pas de souci. Je t'enverrai une Memory Dex aussi à moi. Donc j'ai honnêtement avec ma fille, je devais faire des envois que je n'ai toujours pas fait. J'ai vraiment pas eu le temps parce qu'en plus je travaille. Là ici, c'est tout ma corbeille à courrier, vous voyez. Je vais à toutes vous répondre. Donc du coup, je ferai ça début mars parce que là, honnêtement, je n'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Je m'en excuse. D'ailleurs, je m'en excuse énormément. Et ici, nous avons une carte avec, je suppose, des chutes de papier. Et moi, j'adore. Parce que... Alors, il y en a qui vont critiquer. Il y en a qui disent que, oui, je récupère même les chutes de Action. Voilà, c'est ça que je veux dire. Même si c'est du papier Action, je récupère les chutes. Parce que je n'ai pas les moyens de m'acheter des blocs à très cher. Et je sais que sur la chaîne de Sweet Scrap... Elle s'est fait beaucoup critiquer d'utiliser du matériel Action. Et moi, je pense que pour débuter, bah, c'est déjà super bien. Et on peut faire des choses à pas très cher. Et moi, je n'ai pas les moyens, effectivement, d'acheter des blocs à super cher. Donc, du coup, voilà. Donc, chacun fait en fonction de ses moyens. Alors, voilà, je ne critique pas en soi, par contre, ça. Chacun fait avec ses moyens. Et moi, je sais que je récupère même les chutes d'Action pour faire de jolies cartes derrière. Donc, voilà. Et ça, je reconnais, c'était un des blocs les plus récents, je crois, celui-là. Ça aussi, je l'ai utilisé. Donc, voilà. Donc, en soi, moi, je trouve qu'Action est très bien, qu'on peut faire de très belles choses. Alors, on peut peut-être pas tout faire non plus, je suis tout à fait d'accord. Mais du coup, on peut vivre notre passion
à pas très cher, à moindre coût, et il en faut pour tous les budgets. C'est mon avis personnel. Donc voilà, donc la carte, elle est vierge. Voilà, je vais l'accrocher aussi sur mon tableau. Donc du coup, voilà. Sur ce, ben, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et Sonia, toi, tu portes. Alors attends, le numéro, parce que ça, c'est vrai, c'est super important. Le numéro 6. Sonia, tu portes le numéro 6. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite bonne chance. Et je te dis à très bientôt.